Ça, c'est des bouquets de mai. Donc ça, c'est des anciens bourgeons proventifs qui se sont retrouvés à se comporter comme des bouquets de mai. Donc là, on voit l'année dernière, l'année d'avant, regardez, on a eu une seule pousse. Hein, c'est la même chose que là, ce que j'avais enlevé, où il y avait 5 pouces en fait. Hein. On avait la même chose, sauf qu'on était sur un rameau court, qui déjà, lui, avait un signal comme à celui-ci là. Ouais. D'accord ? Donc plus latéral, clairement subordonné au bourgeon apical, qui fait qu'on a latéralisation, croissance très faible et fabrication de fleurs à la base. Donc on a des fleurs sur le cerisier à la base de la pousse de 1 an. Donc ça fabrique des cerises. Et sur les pousses de l'année dernière, ça c'est des pousses de 2 ans, ça c'est exactement la même chose que ça. Sauf que c'est hyper compacté. D'accord ? Et il n'y a pas de. Il y a un tout petit bourgeon qui va refabriquer un bouquet de mai l'année prochaine. Mais malgré tout, on se retrouve ici avec une rosette de cerises avec les feuilles au milieu. D'accord ? Et puis après, on aura une petite croissance et de nouveau on aura le bouquet de mai. D'accord ? Voilà. Donc sur ce cerisier-là, on voit que les bouquets de mai. Bon, les bouquets de mai sont toujours plus efficaces que les rameaux de 1 an. Hein? Mais les rameaux de 1 an font fabriquer les bouquets de mai l'année prochaine. Et ainsi de suite. Donc en fait, on ne peut pas tout supprimer non plus. Mais on est dans le renouvellement et de ces rameaux-là pour fabriquer des bouquets de mai. Un bouquet de mai, ça a une durée de vie limitée aussi. Oui, quand même, plutôt. Puisqu'en fait, généralement, ce qui va se passer, c'est que celui-là va être abandonné au profit de ceux-là. Ouais. Tu vois, donc on va avoir un déplacement. Donc la plupart ils vont faire une fois et après ils vont sécher, je sais pas si on en voit là, mais ouais. Regarde ça. Bah là on voit les vieux. Là. Ouais, ouais, voilà. Ouais, là tu vois on en voit, là ils ont refait, il y avait un et après hop, il s'est divisé en trois. Et ça va pas durer super longtemps. De toute façon la plupart du temps ça quand tu ramasses les cerises, ça vient avec. Ça pareil, vu qu'ils fassent trois cerises cette année, ça va être limité en croissance. Est-ce que c'est parce qu'il est limité en croissance qu'il fait des cerises ou est-ce que c'est... c'est un peu des deux, parce qu'en fait, moi je serais un cerisier, j'aurais tendance à pas faire des cerises tout de suite, là, de grandir un petit peu, ça me dérangerait pas. Mais on voit bien qu'il est sur un porte-greffe très faible, sinon il ferait pas des cerises déjà, quoi. Hein? C'est des arbres qui vont être petits, c'est-à-dire même grands, tout le monde ne pourra pas toucher le cerisier là dans 15 ans, quoi. Hein? On va là-bas, là, ça ira pas jusqu'à vous, je pense pas, dans 15 ans. C'est un arbre qui va se limiter quand même à un espace relativement faible. Ce qui est pas mal, parce que des fois, les cerisiers, ils sont énormes, t'as toutes les cerises en haut, et pour aller les chercher, c'est pour les oiseaux, quoi. Hein. Donc, d'avoir les cerisiers qui soient pas très grands, c'est... Ouais, mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que celles du bas aussi sont pour les oiseaux. Ouais, bon, alors là, c'est encore... C'est pas parce que ça enlève, souvent. T'arrives à les ramasser quoi. Moi, ce qui me gêne, c'est de se dire que du coup, celles du haut sont pour les oiseaux, alors je les enlève. Ouais. Si on enlève les branches du haut parce qu'on ne les ramasse pas, est-ce que ça va faire plus de branches plus basses ? La plupart du temps, c'est compliqué parce qu'on va se faire des forêts de rejets de malades et on n'arrivera pas à structurer son arbre. Donc en fait, un arbre grand, il est fait pour être grand. On ne peut pas obtenir un petit arbre sain à partir d'un grand arbre. C'est pas possible. Vous allez vous confronter à ça là. Oui, et puis en plus, il va mettre beaucoup de vigueur du coup dans ces pousses-là et assez peu dans ses fruits. Du coup, il va faire peu de fruits en bas. Là, oui. Naturelle, en étant moins... Bien sûr. Voilà. L'idée d'avoir pris peu de vigoureux. Oui, mais sans doute ça va fonctionner. Comme ça, on aurait peut-être, on ne sait pas trop ce que ça va peut-être se mettre en place. Là, je pense que ça va se mettre en place. Je pense qu'il faut pas trop les juger tout de suite. On voit que là, ça a quand même bien grandi l'année dernière. Hein. C'est pas dit du tout qu'il n'arrête pas de fructifier pendant un petit moment là et qu'il ne se concentre pas sur davantage de croissance et qu'il ne soit pas un peu plus grand. Ouais, parce qu'il peut pousser, végéter et puis tout d'un coup pousser fort et se redévelopper quoi. Ça c'est possible. Il peut aller sur les abricotiers pêchés en bas. Ouais. Et donc là, intéressant. On s'aperçoit que naturellement là, il est parti très très fort à se diviser et à fabriquer de lui-même une espèce de gobelet un peu
Ouais, un peu sauvage et dynamique en même temps. Parce que là, les fourches, bon, ça fait beaucoup de monde, mais en même temps, ça a l'air d'être mécaniquement, c'est costaud. Ouais, c'est, là, c'est pareil, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Et est-ce que vous pensez que cet arbre-là, il va devenir immense, immense? Ben non, j'ai dit s'arrêter à un moment. Ouais. Il va craquer. Il va finir par se développer en largeur, à pousser. Ouais. En fait, là, il est déjà en train de le faire. Ouais. Il est déjà en train de s'arrêter là. Vous voyez tout le nombre de bourgeons là, c'est vraiment énorme le nombre de bourgeons qui vont démarrer au printemps. Et donc l'énergie elle va forcément être divisée entre tous ces nombres de bourgeons. Donc vous allez avoir un arrêt de croissance qui va s'opérer dès l'année prochaine à peu près. Ouais. Il va grandir, hein. Il va grandir, il va s'élargir un peu, mais il va pas doubler en longueur. Du tout. C'est très bien. C'est-à-dire que ça va très vite, l'abricotier, à se mettre en place. Puis c'est très simple au niveau de l'architecture. Hein. On le devine que c'est très simple. Hein, si on reprend vraiment une architecture, on a une, deux et trois. Et il fructifie sur l'axe 3. Et il n'en fera pas plus. Il ne sera pas plus diversifié que ça. Hein, il aura pas plus de ramifications. Donc, il n'y a pas de taille particulière à faire sur... Non, la taille sur l'abricotier, il y en a très très peu. En fait, on pourrait aussi limiter la croissance en longueur en tapant tous les ans sur du bois de 1 an pour qu'il se ramifie un petit peu plus pour limiter et favoriser un peu la récolte. Hein. Parce que là, bon, il faudra quand même un escabeau pour récolter. Mais on n'est pas obligé de le faire déjà, puisque on lutte quand même contre une vigueur forte qui est liée au sol. Donc on ne peut pas non plus lutter indéfiniment. Même si plus on ramifie tôt, moins l'arbre va être grand. Quand tu disais tout à l'heure que si on coupe les branches basses, il va se mettre à continuer à monter, il y a un côté comme ça, c'est sûr. Mais en fait, c'est encore une fois le nombre de bourgeons qui va faire qu'on va... Le côté exponentiel du nombre de bourgeons qui va faire que ça va s'arrêter. Mais là, ce dont il faut faire attention, c'est surtout que chaque branche ait sa place et que chaque branche puisse recevoir l'énergie lumineuse nécessaire à faire maturer un nombre de fruits cohérents. Le risque sur cet arbre-là, c'est que vous ayez trop de fruits. Donc il va falloir, il y a de fortes chances, finir par pratiquer une extinction, quoi. Mais ça, c'est pas encore. Éclaircir les fruits ou enlever des sièges de bourgeons. Ça peut être, vous voyez, ça va faire des fruits ici, à ces endroits-là. Là, vous pouvez diminuer le nombre de jeunes pousses de ce genre-là. Mais ça a fait un peu jusque-là, ça me dérange pas. Mais donc, c'est quand même important de comprendre que vous pouvez diminuer la pousse de 1 an en limitant sa longueur et que ça n'a pas d'impact sur le système de régulation hormonale. Ça simplement, ce que ça fait, c'est que ça, au lieu de ramifier en haut, ça ramifie plus bas. Et donc, du coup, vous augmentez le nombre de bourgeons. Celui-là, il me semble me rappeler qu'il a été taillé là. Enfin, ça se voit, non? Ici, là. Mais peut-être il a été taillé, ou alors c'est qu'il est très fortement à crotone. Voilà. Ou alors c'était. Non je pense taillé. Que. Mais c'est Evelyne qui est passée un hiver. C'était bien deuxième année. Et elle a fait 2-3 trucs, mais pas grand chose. Sur les abricotiers, je sais. Celui d'à côté, il n'a pas du tout été taillé. C'est quand même possible qu'il ait été taillé, quoi. Juste celui-là, à mon avis. Je sais pas, ça me semble. Ici, mais les autres, on peut aller voir, les autres, ils sont. Mais celui à côté, regardez comme elle est raide cette branche. Elle est hyper raide. L'autre, elle n'était pas du tout raide comme ça. Et donc, du coup, on est en train de fabriquer une charpente. Ça, c'est la charpente. Hein, c'est la future charpente. C'est pérenne, totalement, tout ça. Et donc ça, c'est une charpente qui, en grossissant, va être capable petit à petit de supporter les fruits. Enfin, c'est ça le challenge hein, de la charpente, d'être capable de supporter le poids des fruits. Quelle que soit la forme de l'arbre d'ailleurs, parce qu'il y a des formes, même des arbres à port pleureur qui ont tendance très rapidement à ploire, mais ils peuvent très bien avoir une charpente qui fait que ça ploie sur les branches fructifères qui sont des branches secondaires, comme celle-ci là. Hein, on peut faire ploire cette branche-là sans avoir forcément nécessairement à faire ploire toute la branche depuis sa base. Donc c'est ça l'idée d'accompagnement par rapport à la charpente, c'est là où on a intérêt à faire en sorte que ça aille pas trop vite et que ça se structure de manière le plus étagée possible pour que chaque branche puisse arriver à porter le poids des fruits. Celui-là c'est mieux que celui-là. On peut même le rattacher au tronc directement. La tenir. Pour la tenir, celle-là là, tu veux dire la rattacher en bas là-bas?
Ouais, ou là. Pour... On la faire ployer comme ça. Ah oui, mais en fait, elle le fait toute seule. Oui, elle ça, c'est parce qu'on est pressé. Là, clairement, faire du basculement sur un arbre comme ça, c'est être pressé. Hein. Parce qu'en fait, c'est les fruits. Ouais, c'est lui qui les fait. En plus de ça, il est capable de faire des fruits là, sur un truc très vertical. Donc bon, c'est pas nécessaire, mais souvent, on peut le faire trop tôt. En vue d'une fructification, c'est une mauvaise solution. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de basculement sur des arbres en taille de formation pour les faire fructifier. On le fait pour mettre en place la charpente de manière pérenne. Si on le fait pour fructifier, on va au devant de problème, puisqu'en fait, on va se retrouver à faire fructifier des branches incapables de porter le poids des fruits. Et c'est pas l'idée. L'idée, c'est plutôt d'affaiblir ces branches-là au bénéfice de quelque chose d'autre pour que petit à petit, ils puissent porter ses fruits. Et on fait l'amalgame, hein, souvent. Hein. Je vois. Parce que mécaniquement, on la prend, on la ploie, on la fait plier, oh, elle a des fruits. Du coup, on a envie de le faire partout. Là, la première année, ils ont fructifié. Moi, j'ai éclairci. Hein. Dès la première année. Ah, dès la première année. Dès la première année, j'ai une belle récolte d'abricots. Mais enfin, une belle récolte. J'ai éclairci, j'ai laissé 3 fruits par branche, 2 fruits par branche, selon les arbres. Mais on a eu quand même un cajou d'abricots, quoi, sur la totalité. Vous voyez, c'est sur la pousse de 1 an, les abricots. Hein. C'est les premiers bourgeons sur la pousse de 1 an qui font les abricots. Donc on peut se retrouver avec beaucoup de... On pourrait tailler très court les abricotiers et tous les ans faire des tiges comme ça et réduire la longueur des tiges et avoir des abricots condensés, un peu comme on disait sur le pêcher. On pourrait faire ça aussi. C'est ça qui se fait dans la taille. C'est ça qui se font dans la taille conduite. Mais après, on peut aussi très bien avoir des abricots calibrés, des beaux abricots calibrés, en laissant l'arbre se développer et en limitant simplement le nombre de spots de fructification, en faisant une petite extinction, un éclaircissage. Et là, on se retrouve avec... ce qui fait la taille du fruit, c'est le soleil sur les feuilles. C'est le sucre qui fait la taille des fruits. Pas le soleil sur les fruits. C'est le soleil sur les feuilles qui alimente le fruit. Donc c'est le sucre est fabriqué par les feuilles, pas par les fruits. Et pourquoi par exemple, dans les pêchers, parfois on dit d'éclaircir les feuilles, les bases foliales? Tu as pas entendu ça? Non. Mais ça peut, parce que peut-être il y a une trop grosse densité et que du coup les fruits à l'opposé du soleil reçoivent pas suffisamment de... Les feuilles à l'opposé du soleil reçoivent pas suffisamment de lumière. Parce que dans l'absolu, si tu veux accélérer les fruits, c'est comme on disait, si tu as beaucoup de feuilles ici, tu fais une incision annulaire et donc du coup, il n'y a plus d'énergie qui peut redescendre en bas. Là, par contre, là, tu accélères un peu la maturation des fruits, au détriment de la branche. Mais... Ouais, la branche, tu la perds, quoi. Oui, mais les anciens étaient experts dans cet art-là parce qu'ils se disaient, bon, moi, je sais que cette branche-là, je ne la veux plus l'année prochaine. Ric, hop. Et donc du coup, ils savaient qu'ici, ces fruits-là, ils gagnent 15 jours de maturité par rapport aux autres. Donc, ils commencent à ramasser cela et puis après à ramasser cela et donc du coup ils étalent leur fructification. Enfin tu vois, il y avait un réel savoir-faire avec ça. Hein. Ouais. Qu'on a perdu. Enfin, on n'a plus la patience. Et d'ailleurs les pinces d'incision annulaire, faut les chercher pour les trouver. Hein. Mais ça se trouve encore. Ouais. Apparemment il y en avait un là-bas qui était chouette. Et alors là le problème que je voudrais vous montrer, il est d'ordre mécanique là. On voit ici là, ça va jamais bien se passer. À cet endroit là. Ah ouais, ça va s'ouvrir en deux. Et ça c'est inévitable. Si vous ne faites pas quelque chose maintenant, c'est inévitable. Non mais vous avez. Enfin, c'est pas. On en a vu d'autres. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, il y a un problème sur celle-là, et là il refait un rejet en dessous. Ouais. Bah il a compris. Ça passe mal en haut, donc du coup ça fait sortir un bourgeon adventif là. Oui, mais bon, enfin, toujours est-il que c'est parce qu'il y a un problème en haut. Hein. Du coup, il faudrait couper la branche la moins vigoureuse. La branche la... Bah, si tu l'attaches, ad vitam aeternam. Ouais. Et en fait, là, on voit quand même que. Là, c'est. Bon, il y a eu. Ça a été compliqué pour cet arbre-là. Il faut faire comme pour le cerisier, privilégier un des deux axes et diminuer l'autre petit à petit, tout ça. Ouais, ça pourrait. Ça pourrait être comme ça, donc tu pourrais le faire de manière assez drastique et assez forte là. Même si tu supprimes tout ça là, même relativement court comme ça là, ça va remettre des rejets. Et ces rejets tu passes et que tu continues à les enlever, celle-là va en profiter énormément, ça va rejeter aussi énormément à la base.
Mais si tu continues à favoriser ça, même si c'est pas magnifique, magnifique, il va se redévelopper de ce côté-là et peut-être que dans 10-15 ans, tu verras plus le problème. Mais... Il vaut mieux pas favoriser celle-là qui a déjà trapu et plutôt que celle-là qui part loin. C'est subjectif, comme c'est possible. Ouais, et puis tu pourrais aussi très bien imaginer mettre un lien durable. Tu prends une tige filetée de 15, là tu perces, tu traverses cette tige filetée, tu mets un boulon de chaque côté. Tout est possible. Mais ça fonctionne, hein, ça. Il s'avère que à chaque fois qu'on y met du métal, il n'y a ni champignons, ni bestioles qui s'y foutent. Aucune idée de savoir exactement pourquoi. J'aurais pensé ça, moi, à la base. Mais on a même fait dans des bois comme du marronnier. William Bourg, quand il était élagueur, il perçait, il mettait des espèces de tire-fonds pour faire des aubanages dans des marronniers. Dans le marronnier, c'est le pire. C'est le bois, ça pourrit de peur, c'est hyper fragile aux champignons. Et moi, je passe 20 ans plus tard, j'arrive sur l'arbre, je vois un espèce de câble métallique et puis le marronnier qui a complètement recouvert le câble métallique et le ruban est encore en place. Je démonte l'arbre, je nettoie, j'ouvre et je m'aperçois qu'il y a juste une zone d'oxydation autour de la tige filetée et rien autour. Bon, il faisait quand même avec une rondelle, la tige filetée, il découpe la forme de la rondelle, il met la rondelle, il serre. Et après, l'arbre recouvre. Voilà, c'est ça. Il faut que le bourrelet passe par-dessus la rondelle. Oui, du coup, il prépare le travail. Si on décide d'enlever un des deux axes, ouais. Le fait que l'un ou l'autre va se retrouver penché d'un côté, est-ce qu'il va retrouver, en poussant, un équilibre pour être droit ou est-ce qu'il va rester tout le temps penché ? Ouais, je pense que tu seras surpris que si ça se passe bien, dans 15 ans, justement, tu n'auras presque aucune information sur le fait qu'il y ait eu la branche là. Ouais. Est-ce que tu pourrais pas y aller rester pour... Ça vous fait rire 15 ans? C'est un peu loin déjà. C'est rapide, hein, 15 ans, hein, ça passe à... Mais pendant 15 ans, il va continuer à donner des fruits. Hein, et, ça va bien se passer pendant 15 ans. C'est on lui coupe une jambe, dans 15 ans, il en a une deuxième. Quelle chance! Alors, en tout cas, si tu le fais pas, si tu le fais pas, tu peux compromettre complètement l'arbre. En 8 ans, il peut être totalement ouvert, coupé en deux, foutu. Un coup de tempête dans 2-3 ans, même.